Je m'octroyais le temps de savoir s'il était nécessaire de prêcher après cela. Peut-être juste pour dire qu'effectivement, il y a matière à commentaire parce que la traduction française fait débat. Certains envisagent que ce soit Jésus que ma joie demeure. Autrement dit, on demanderait à Jésus que notre joie demeure. Alors qu'il me semble que la bonne traduction, ce serait que Jésus ma joie demeure. Autrement dit, Jésus comme la source de ma joie. Donc vous voyez, il y aurait matière à prédication même sur ce choral de Bach. C'est dans cet esprit d'ailleurs que j'ai retenu un passage pour nous aujourd'hui, à la fois en pensant au fait que c'était un culte de rentrée, que nous pourrions peut-être nous mettre à l'écoute de quelques exhortations, vous savez, en quelque sorte des mots d'ordre pour bien commencer l'année, et puis aussi parce que ce thème de la joie
irriguer ce moment musical et la joie comme thème à l'occasion d'un baptême, je crois que c'est assez approprié aussi. C'est dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens que je vais vous lire au chapitre 5, les versets 12 à 18. Première épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc quelques exhortations pour nous en ce temps de rentrée. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc, considération pour le corps pastoral et les conseillers presbytéraux, merci. Mais ce n'est pas simplement de la considération, écoutez la suite. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Dites-leur que vous les aimez, ça ne fait jamais de mal. Je poursuis la lecture. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles, user de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité, alors de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour nous mettre à l'écoute de ce texte biblique, je vous propose de prendre votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 250. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 du cantique 250. Levons-nous pour chanter Dieu. Thank you.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ta parole, Dieu notre Père. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli avec succès ce pourquoi tu l'as envoyé. Alors nous te prions pour que ce matin, elle vienne une nouvelle fois arroser et féconder notre terre, pour qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour, pour qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Chers frères et sœurs, je retiens de ce passage biblique les deux versets qui me semblent les plus problématiques, non pas ceux qui poseraient un problème du point de vue de la compréhension, mais ceux qui semblent les plus irréalisables. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Comme s'il était possible d'être toujours joyeux, en toutes circonstances. Et comme s'il était possible de prier sans jamais s'arrêter, sans faire ne serait-ce qu'une petite pause. En plus ici, enfin je veux dire, pas spécialement à l'oratoire du Louvre, mais dans un climat protestant, on ne peut pas dire tout de même que les protestants soient réputés pour leur jovialité. On connaît leur austérité. On sait que certains ont un sourire digne de quelqu'un qui mange des gâteaux secs. Quant à prier sans cesse, évidemment c'est facile à dire dans un temple en plein culte, mais demain matin, quand nous serons qui à l'école, qui au bureau, qui en train de faire ses courses, à courir derrière le bus ou avec quelques amis qui ne sont pas spécialement croyants. Que ferons-nous de ce prier sans cesse? Eh bien, c'est justement parce que ces deux impératifs n'ont vraiment rien d'évident qu'ils sont intéressants, je trouve, et peut-être plus intéressants que tout le reste du passage. Ils sont intéressants parce qu'ils nous révèlent nos propres résistances et, en quelque sorte, notre capacité à négocier avec la joie et la prière. Bien sûr qu'on ne peut pas être toujours joyeux avec tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr qu'on ne peut pas prier sans cesse. Il faut bien aussi gagner son pain tout de même. Et pourtant, dans le texte biblique, ces deux impératifs n'offrent pas vraiment beaucoup de prise pour une interprétation subtile qui permettrait de les relativiser ou de les différer dans le temps pour plus tard, quand la vie aura vraiment changé de fond en comble, que ce sera vraiment le royaume ici-bas sur terre. Et d'ailleurs, ces deux phrases ne sont pas conjuguées au futur, comme le sont par exemple les 10 paroles, qui toutes sont au futur. Non, ici, ce sont deux impératifs, c'est du présent, quelque chose qui doit être appliqué ici et maintenant, et non dans un avenir hypothétique.
Cela mérite donc que nous prenions un peu au sérieux ces deux commandements afin de voir ce que nous pouvons en faire. Tout d'abord, je garde ces deux commandements ensemble, liés l'un à l'autre, comme les deux temps d'une même respiration. Je ne mets pas d'un côté la joie et de l'autre la prière. Je les maintiens unis à la manière de l'apôtre Paul qui écrit ces deux phrases avec une parfaite symétrie dans le texte grec, un adverbe, un verbe à l'impératif. Quatre mots en tout et pour tout, peut-être les deux versets les plus courts du Nouveau Testament, quatre mots en tout et pour tout, deux phrases qui forment un ensemble. J'y vois là une intention de Paul, l'intention de faire coup double en liant prière et joie. Le premier effet, c'est d'inscrire la joie dans la relation, dans la dynamique créée par la prière, qui est un acte de communication, qui nécessairement nous relie avec quelqu'un d'autre que nous. Et il pose que la prière n'est pas destinée à entretenir une forme de tristesse, de mélancolie, mais à nous rendre joyeux. Alors ne prenez pas un regard consterné. Paul fait coup double. Non seulement il ne fait pas de la joie un plaisir égoïste, mais quelque chose qui va se partager, mais il fait aussi de la prière quelque chose qui nous ouvre sur l'extérieur, certes, mais en refusant que la vie spirituelle soit marquée par l'humeur chagrine, qu'elle soit au contraire une affaire joyeuse et si possible pétillante. Commençons par cela. La vie spirituelle doit être joyeuse. Cela nous enseigne que le but de la religion, et plus particulièrement de la prière, c'est de découvrir la joie qui est disponible pour nous. La prière, c'est un acte de communication, disais-je. C'est une manière de se mettre en relation avec Dieu. C'est une manière d'essayer de comprendre le genre de vie qu'il essaie de créer pour nous, nous mettre à l'écoute de Dieu. Eh bien, en liant la prière à la joie, Paul nous fait réaliser que la prière est ce qui nous permet de prendre conscience du bonheur que Dieu s'efforce de construire pour chacun d'entre nous. Prier Dieu, ce pourrait être, au lieu de réciter des formules rituelles, nous mettre résolument à l'écoute de ce que Dieu injecte dans notre vie pour la rendre plus agréable, plus belle, plus juste. Autant de choses qui, au bout du compte, concourent à notre joie. Prier Dieu, ce serait quelque chose comme voir le monde avec le regard divin pour repérer toutes ces étincelles de joie qui pourront rendre notre vie autrement plus lumineuse. Pratiquement, prier, c'est changer notre regard. Parce que nous ne faisons pas simplement confiance à notre propre parole, à nos propres observations, mais nous tenons compte d'une autre parole, d'une autre observation, d'un autre point de vue, d'une autre compréhension. Et du coup, pratiquement, prier, c'est changer notre regard, notre vision des personnes et des situations, en tenant compte du regard que Dieu porte lui-même sur tout cela. C'est l'histoire de cette fillette qui porte un jeune enfant sur son dos. Chemin faisant, elle croise un homme qui s'arrête et qui lui dit « Oh là là, ma pauvrette, mais tu portes une charge bien lourde !» Et elle, un peu interloquée, dit « Mais ce n'est pas une charge, c'est mon petit frère !» La prière, qui est cette ouverture à Dieu que nous faisons dans notre vie,
peut nous permettre de poser un regard différent sur notre vie et sur notre monde. Un regard autrement plus joyeux. Parce que, précisément, Dieu nous aide à voir ce qui nous fait progresser vers plus d'humanité, au lieu de fixer nos regards simplement sur les trains qui arrivent en retard et de manière générale sur tout ce qui ne va pas. Autre exemple, pas tout à fait gratuit dans ma bouche. On peut considérer qu'aller au collège, c'est ennuyeux, qu'on perd son temps et que réviser ses leçons et faire ses devoirs, c'est beaucoup moins bien que d'aller jouer. La prière, quand elle est cet élan personnel vers l'espérance de Dieu, la prière permet de reconsidérer les choses, permet de découvrir que le travail peut devenir une œuvre, que suivre les cours avec attention, faire son travail personnel, peut être une manière de grandir, d'être plus à l'aise dans un monde que l'on connaîtra mieux et qui, par conséquent, nous fera moins peur. Parce que la prière nous ouvre à autre chose que ce que nous avons en tête, nous faisons connaissance avec ce qui nous entoure de façon plus précise. Et quand nous connaissons mieux une situation, cette situation nous effraie moins. La prière, qui peut consister à lire la Bible qui encourage le travail plus que la paresse, la prière qui peut consister à discuter avec un ami ou avec ses parents sur ces questions-là, non pas en bavardant, mais en abordant vraiment le pourquoi des choses, ou comme le disait le théologien Paul Tillich, en n'en restant pas à la surface des choses, mais en traitant ce qui nous concerne de manière ultime, fondamentale, une manière de dire qu'à chaque fois que nous abordons le cœur des sujets, nous prions, eh bien la prière peut nous aider à voir les choses autrement, avec plus d'envie et plus de joie. Et cela, le judaïsme l'a fort bien compris, en instituant la fête intitulée « Joie de la Torah », « Simra Torah ». La joie de la Torah, la joie de cette parole de Dieu qui nous est adressée pour nous aider à mieux vivre. Nous y entendons qu'à chaque fois que nous écoutons Dieu, que nous sommes réceptifs à son projet de vie heureuse, nous sommes animés par la joie. Cette joie qui met en mouvement, cette joie qui nous pousse irrésistiblement dans la vie, cette joie qui nous fait nous lever le matin, au lieu de nous morfondre au fond de notre lit. Cette joie qui nous entraîne avec allégresse dans la danse du monde. Et j'emploie cette image de la danse à dessein, car dans la tradition hassidique, la danse tient une place prépondérante, au point que le Baal Shem Tov, l'un des fondateurs du hassidisme, disait « Je danse, donc je suis. » Il n'est peut-être pas évident qu'un jour nous connaissions ce même genre de danse collective à l'oratoire du Louvre. Mais l'essentiel n'est pas dans la forme. L'essentiel est dans cette célébration de la vie, cette vie à laquelle nous conduit une fréquentation incessante de l'espérance de Dieu. Priez sans cesse, c'est ne jamais se déconnecter de l'espérance disponible pour nous. Prier sans cesse, c'est faire valoir son forfait illimité auprès du bonheur que Dieu fait valoir pour chacun d'entre nous. L'autre aspect de cette relation faite par Paul entre joie et prière, c'est donc de ne pas laisser la joie au seul plaisir personnel. Après avoir indiqué finalement que la prière devait être joyeuse, il indique que la joie doit être dans le registre du partage. En reliant la joie à la prière, Paul nous invite à placer la joie au cœur de la relation avec autrui. C'est là une expérience que nous avons
toutes et tous faites un jour ou l'autre. Celle que la joie est bien plus grande quand elle est vécue en présence de quelqu'un d'autre. Un coucher de soleil, un film, un concert, un repas bien sûr, une randonnée même, une bonne nouvelle. Tout cela est d'autant plus intense que nous ne sommes pas seuls à en profiter. Ce n'est pas tant la présence de quelqu'un d'autre qui nous regarderait jouir du moment présent qui intensifie la joie, mais la possibilité de pouvoir en parler avec lui. La possibilité de pouvoir partager ce moment de bonheur, car dès lors, nous ne sommes plus seuls à construire ce bonheur-là. Lorsqu'on partage sa joie avec quelqu'un, l'autre injecte sa part de bonheur, et cela rend la joie encore plus grande. Ce phénomène, c'est le phénomène de la vie familiale, d'accord ? C'est bien sûr le phénomène du chant choral. Le plaisir de chanter est augmenté par les autres choristes qui rendent notre chant encore plus beau grâce à leur propre voix. Cela est vrai aussi pour une assemblée, bien entendu. Il est toujours plus agréable d'être 200 au culte que 10. Ce n'est pas simplement parce que ça nous donnerait une meilleure image de nous-mêmes, ou que cela laisserait entendre que la collecte serait meilleure pour la suite. C'est que la joie s'amplifie avec le nombre, précisément parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice commun. Chacun ajoute de la joie à la joie. Et parce que les sourires sont communicatifs, lorsque deux ou trois personnes commencent à sourire au nom du Christ, tout le monde se met à sourire. Ceci dit, méfions-nous aussi des phénomènes de masse. Restons prudents. En articulant la joie à la prière, l'apôtre Paul reprend en fait la prédication de Jésus qui, dans l'évangile selon Jean, fait de la joie l'un des thèmes centraux de son dernier discours aux disciples. Quand il prêchait le royaume de Dieu, Jésus soulignait que ce royaume, c'est à chaque fois qu'une relation s'établit. C'est une petite graine de moutarde qui grandit et accueille les oiseaux du ciel. C'est un père qui va tuer le veau gras pour célébrer le retour de son fils qu'il pensait perdu. C'est une femme qui invite ses voisins parce qu'elle a retrouvé la pièce qu'elle avait perdue, justement. La joie évangélique n'est pas une joie égoïste. C'est une joie qui favorise l'harmonie, le vivre ensemble, parce qu'elle est articulée à cette prière qui nous révèle que nous ne sommes pas seuls. C'est une chose. Mais qui nous fait aussi découvrir que nous formons une communauté solidaire. Quand je prie Dieu, je suis solidaire de lui. Quand je prie Dieu en pensant à quelqu'un, je deviens solidaire de ce quelqu'un. Prier ceux qui nous font du mal, c'est devenir solidaire de ces personnes-là, et c'est donc changer notre regard sur eux. Lorsque nous prions alors que notre joie est à son comble, lorsque nous rendons grâce, par exemple comme cela nous arrive avant quelques repas ou à l'occasion d'un baptême, nous ne retenons pas notre joie. Nous en faisons profiter ceux qui sont autour de nous. Et je vous ai vu tout à l'heure en présentant Livia. Vous aviez une joie qui n'était pas une joie égoïste. C'était une joie qui est à l'image de cette lampe qu'on ne cache pas, mais qu'on met sur la table, et de là, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En articulant la joie à la prière, Paul nous met en situation de faire profiter notre entourage de la joie qui nous anime. Pour le dire avec les termes de la théologie du process, nous participons à l'enjoyment du monde. Nous rendons le monde plus joyeux. C'est comme si nous semions de la joie dans le monde, dans la vie quotidienne. C'est comme si nous renouvelions notre éthique quotidienne en instillant en permanence la joie
qui est le signe que nous nous préoccupons plus de la vie que des problèmes. Et il me semble que c'est peut-être là la spécificité de l'éthique chrétienne, c'est qu'elle s'intéresse davantage aux personnes, à la vie, qu'aux problèmes, qu'aux cas. Soyons toujours joyeux, frères et sœurs. Pour autant que cela soit possible, non. Toujours, dit l'apôtre Paul. Ce n'est même pas « faisons de notre mieux », c'est « soyons toujours joyeux ». De grâce, en tout cas, n'adoptons pas un air crispé ou maladif au prétexte que nous sommes croyants et que la foi, c'est du sérieux. Le sérieux de la foi ne devrait jamais entraîner un air triste ou affligé. La joie est au contraire ce signe visible que l'on est enfant de Dieu. C'est le signe visible que l'on porte sur le monde un regard construit par l'espérance de Dieu, cette espérance qu'il suscite et ressuscite en nous à chaque instant. Priez sans cesse, demande l'apôtre Paul, pour que le Christ demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Amen.